ya risasi inasikika tangu saa 7 za usiku kwenye eneo mbalimbali. Hadi sasa ni askari polisi ndio waonekana kwa wingi barabarani. Liwali wa jimbo aomba wakaaji kuwa kimya. Kamanda wa eneo la 33 la kijeshi jemadari Bob Kilubi hakikisha kwamba FARDC inadhibiti eneo na kwamba wakaaji wakuwe kimya kabisa. Hayo na mengineyo ni katika taarifa ya habari. Inasikika mjini Bukavu tangu saa 7 za usiku. Hadi sasa risasi zilipigwa zaidi kwenye Avenue Industrielle, Place de l'Independance, Brasserie Bagira, ngambo za ISP Avenue Sayo. Hali ni hiyo pia upande wa Kavumu, kama vile duru zetu zilieleza. Hadi sasa ni askari polisi na askari jeshi ndio waonekana kwa wingi mjini Bukavu. Kiongozi wa eneo la 33 la FARDC jemadari Bob Kilubi Ngoi aeleza kwamba jeshi linadhibiti eneo na kuomba wakaaji kuwa kimya. Tumsikilize. Walifika majira za saa 7 za usiku na dakika 40. Ilikuwa ngambo ya Brasserie, ngambo za Nyamugo, Quartier Industriel. Walikuwa wakipiga risasi wakiimba na kusema kwamba wanakuja gomboa mji wa Bukavu na Kongo. Walipiga risasi kwa kuomba pia silaha nzito nzito upande wa Tepe, ila hawakufaulu. Walienda upande wa Place du 24, walipanda ngambo ya 10e Region. Walipenda kugomboa ama kuchukua kwa kinguvu mmoja kati yao wenye kufungwa kwenye polisi. Ni wanamemba wa muungano wa uasi unaoitwa CPC 64. Tulipenda kuwadhibiti kuona ni usiku kwa kuepuka maafa mengi. Tulikuwa tayari tumejitayarisha tangu tulipata habari za kuwepo kwa kundi la kigaidi mjini Bukavu. Kwa muda ni kuomba wakaaji kubaki nyumbani kwa kuturuhusu kuweka usawa na kushughulikia hawa waasi. Tumedhibiti na kufunga eneo zote za mji wa Bukavu. Ya lazima ni kuomba wakaaji kubaki nyumbani kwa kuturuhusu kuweka usawa na kushughulikia hawa waasi. Tumedhibiti eneo yote na hali ni kimya. Haya, hapo tumetoka kumsikiliza kamanda wa eneo la 33 la kijeshi katika Kivu ya Kusini, jemadari Bob Kilubi Ngoi. Habari zingine ni vema tueleze kwamba tumepata pia tangazo toka liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambaye anaomba pia wakaaji kubaki kimya na kusema kwamba askari jeshi na mashirika husika na usalama ni zenye kushughulikia jambo hilo. Hii masasi inamaliza lia sai, tunamaliza kuongea na komanda mwenye ko komanda operasyonel mwa operasyon ilikuwa depuis nere mpaka sai. Unasikia masasi inalia sai, ni balikuwa grupu ya bamaimai walikia 0R bakakamata maarme ya bapolisie na maarme yote ya pale kutepe presque zote zikuwa magazin. Na sai kulikuwa renfort yenye na wapiga mpaka gisi mnasikia masasi nalia sai. Ni ngambo ya Panzi walikuwa wakimbiza mabilima wanapanda ngambo za Machikoni kule wa moya mbaki, ilikuwa grupu ya mingi sana kote ya Brasserie wanawapiga, kote ya huku Panzi wanawapiga, ndio hivyo wanakimbia kimbia bote. Maki itafika 6h mwingine nitakuwa kwa kalmi, lakini tuendelee kuwa macho, mwingine haiko mzuri. Tuchunge pamoja na kuona bandi unakuwa na information ya mzuri na ongelesha bakubwa na wambia kwenye adui iko. Tusifichike wa maadui mmanyumba kote, wanasema kote kwenye unaona mtu mubaya una denonce jo mwingine kwa infiltre na batu mingi wenye atuvi wanatokea wapi. Perturber la quiétude de nos concitoyens dans quelques quartiers de la ville de Bukavu. Grâce à la vigilance et à la promptitude de la police nationale congolaise et de forces armées de la République démocratique du Congo très actives sur terrain, la situation demeure totalement sous contrôle. En attendant de nouvelles consignes, la population de la ville de Bukavu est appelée à garder son calme habituel, à collaborer avec les forces de l'ordre et des sécurités et à vaquer normalement à ses occupations. Théo Kassingwa Bidje, gouverneur de province, signe ses communiqués.
communiqué à l'intention de la population de Bukavu. Chers compatriotes, la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre 2021 a été agitée. De malfrats et en civique ont perturbé la quiétude de nos concitoyens dans quelques quartiers de la ville de Bukavu. Grâce à la vigilance et à la promptitude de la police nationale congolaise et de forces armées de la RDC, très actives sur terrain, la situation demeure totalement sous contrôle. En attendant de nouvelles consignes, la population de la ville de Bukavu est appelée à garder son calme habituel, à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité et à vaquer normalement à ses occupations. C'est signé par Théo Kasingwa Bidje, gouverneur de province. Kaka, c'est bien, mais tu te paniques, tu vas te calmer, si tu as calme, ben, tu as quoi contrôler, mais comme il est mambé, il y a quoi la négligence à l'autorité, quoi, tu as quoi arrêter, quoi, ICB, ni qu'à alerter, moi, ma groupe, ni qu'à s'aimer, même ma groupe, à l'autorité, tout, quoi, la négligence. Mais j'espère que ça va aboutir, même, au bâti, comme un yumba, moi, c'est toi, quoi, parce que, vu comme ville, déjà, vu comme Bukavu, vu comme ville à Bukavu, on va te calmer, ma palais, ça va aller, tout à maîtriser la situation. Donc, je calme. Puisqu'on a fait ma semaine, Banaka tout libéré. Banaka tout libéré, ça le slogan. Bon, peu importe. Quand Banaka tout libéré, gloire à Dieu. Mais quand Banaka tout libéré, gloire à Dieu aussi. C'est tout connaître à tout la partie pris. Tout la fin, il y a une impartialité, mon cadre et tout. Mais tout la fin, en tant que défenseur de l'homme, à tout l'aller et l'or. Banaka, mais biko Bukavu, biko déjà Bukavu, biko ville à Bukavu, Moutepe. Bari kamata déjà quelques mabunduki matepeze tout quoi calme et to attendre communiquer à gouvernement provincial to ngale ki sibitendeka ma ujongo mi partager parce que ni kona ma source information ko très sûr ni mko la la mona namuka jo mu yejo province or gouvernance maka tu veille tous sur la sécurité de la province. Alors du coup mina kwa ka naître na partager ka deux versions. Kama ba autorité ba fama ko sa nda dénoncé kama ba si tu as fait ma cause, tu as dénoncé. Bon, peut-être les gens qui ne comprennent pas le français, il y a les RFI qui sont dans ce groupe. La ville de Bukavu est attaquée par les Maïmaï. Ils sont actuellement, il est 4 heures à Bukavu. Ils ont commencé depuis 1 heure du matin au niveau de Mungu et puis Tepe et quelque part là, je vais doubler les noms, je vais citer encore. Donc, du coup, la ville, jusqu'à présent, n'est pas sous contrôle des Maïmaï, mais ils sont dans la ville. Avec la source qui vient de recevoir maintenant, soi-disant, ils sont aussi à Kavumu. Ouais. Mais moi, je ne cite pas pour les Kavumu parce que je connais seulement 3 sites qui sont. Ils ont récupéré quelques armes au niveau de l'industrie à TP, mais ils sont dans la ville. Ils sont à Bukavu, Mungu, et quelque part là-bas. Donc la RFI, avec Sonio qui est avec nous ici dans ce groupe, et même les députés qui nous suivent à Kinshasa, la vie de Bukavu n'est pas bonne actuellement. Moi, j'ai fait cette communication parce que je suis toujours les informations de notre province, si qui vous. Mais il n'y a pas encore de panique jusqu'à présent. Il y avait seulement les balles qui sifflaient depuis 1 heure du matin. Mais je demande seulement à la population de rester calme. Je vais de communiquer avec le gouverneur. Il me confirme que le service de renseignement est en train de prendre toute une disposition et j'espère peut-être que tout ira bien. Merci beaucoup et bon courage, mais restez à la maison. Les gens qui sont à Bukavu, restez d'abord dans la maison jusqu'à ce que le gouvernement provincial va donner un communiqué officiel. Restez dans vos maisons et si vous avez de la connexion Internet, évitez de partager des informations sans source, mais les ennemis sont dans nos milliers et j'espère que peut-être l'armée congolaise va intervenir pour repousser ce genre de choses. Ils citent les noms en Kiswahili pour dire qu'ils viennent de nous libérer. C'est ce qu'ils disent, qu'ils viennent de nous libérer. Mais il y avait une certaine négligence des autorités provinciales ici qui vous. Il y a les étudiants, les gens qui ont été arrêtés au niveau de l'ICB. Il avait 8 personnes qui étaient arrêtées à Bukavu, il avait aussi 8 personnes qui étaient arrêtées à Kaziba. Et moi-même, j'avais fait ces alertes dans les groupes de WhatsApp, mais personne ne m'avait donné confiance. Aujourd'hui, la ville est telle comme elle est, mais j'espère que tout ira bien. Merci beaucoup, je vais vous mettre au courant, je ne peux pas plus dormir, je vais vous informer de toute situation parce que je suis la situation au niveau de Bukavu jusqu'à présent. Merci beaucoup, c'est Lick.
activiste des droits de l'homme des Congo handicapés. Milio ya risasi inasikika tangu saa 7 za usiku kwenye eneo mbalimbali hadi sasa ni askari polisi kusema hadi sasa ni askari polisi ndio waonekana kwa wingi barabarani. Liwali wa jimbo aomba wakaaji kuwa kimya. Kamanda wa eneo la 33 la kijeshi Jemadar Bob Kilubi ahakikisha kwamba FARDC inadhibiti eneo na kwamba wakaaji wakuwe kimya kabisa. Hayo na mengineyo ni katika taarifa ya habari. Taarifa hii ya habari inawajia naye Rekina Mbeni. Naam, fundi mitambo Jean-Claude Ndage, tunapita kwa maelezo kamili. Nimewaelezea kwa mktasari wa habari hizi ya kwamba milio ya risasi inasikika mjini Bukavu tangu saa 7 za usiku. Hadi sasa risasi zilipigwa zaidi kwenye Avenue Industrielle, Place de l'Independance, Brasserie Bagira, ngambo za ISP Avenue Sayo. Hali ni hiyo pia upande wa Kavumu, kama vile duru zetu zilieleza. Hadi sasa ni askari polisi na askari jeshi ndio waonekana kwa wingi mjini Bukavu. Kiongozi wa eneo la 33 la FARDC Jemadar Bob Kilubingoi aeleza kwamba jeshi linadhibiti eneo na kuomba wakaaji kuwa kimya. Tumsikilize. Ils sont arrivés moins de 40 qui étaient du côté walifika majira za saa 7 za usiku na dakika 40. Ilikuwa ngambo ya Brasserie, ngambo za Nyamugo, quartier industriel. Walikuwa wakipiga risasi wakiimba na kusema kwamba wanakuja gomboa mji wa Bukavu na Kongo. Walipiga risasi kwa kuomba pia silaha nzito nzito upande wa Tepe, ila hawakufaulu. Walienda upande wa Place 24, walipanda ngambo ya 10e region. Walipenda kugomboa ama kuchukua kwa kingufu wamoja kati yao wenye kufungwa kwenye polisi. Ni wanamemba wa muungano wa uasi unaoitwa CPC 64. Tulipenda kuwadhibiti kuona ni usiku kwa kuepuka maafa mengi. Tulikuwa tayari tumejitayarisha tangu tulipata habari za kuweko kwa kundi la kigaidi mjini Bukavu. Kwa muda ni kuomba wakaaji kubaki nyumbani kwa kuturuhusu kuweka usawa na kushughulikia hawa waasi. Tumedhibiti na kufunga eneo zote za mji wa Bukavu. Ya lazima ni kuomba wakaaji kubaki nyumbani kwa kuturuhusu kuweka usawa. Tuko naongea nao deja, sivyo? Mko wasikia mafujo, tuko naongea nao, diko hapa pembeni yetu. Diko to solicita se tushuke tujungane nao. Kwa viko hapa bana tuchunga juko wa kijamii yenyewe viko naongea nao. Viko hapa sasa washapiga presque basheli milioni na nusu. Asi tukuye tugombole nchi yetu. Chungo sisi tukoongea nao. Tutasajara mwe mchana saa ingari usiku. Si atuna kitu za tutaingia haye mwaile kope bosi. Atuogope tutawasaidia, si tunateseka na hii nchi, hakuna makazi, hakuna nini. Tuko wazalendo shie wote. Tutapigania hii nchi kesho saa mchana munakucha. Kaka, sepia metu sipanike, tubakie calme, situation ko calme, itakuwa kontrole, me kome nilisema mbele kukwa leka negligence abo autorite, kuko bato kwa arete kuye ICB, nike alerte mwae magrupe, nike sema meme magrupe ya ba autorite tu, kukwa leka negligence. Me j'espère que ça va aboutir meme ubakie kumanyumba, musitoke kwanda paske biko mvile deja, biko Bukavu, biko mvile ya Bukavu, mbakie calme mapale, ça va aller, tuta maîtriser situation. Donc mkuwe calme ba biko nasema seme banaka tu libere sa le slogan mbo peine importe kama banaka tu libere gloire à Dieu, mais kama bake tu libere gloire à Dieu aussi c'est tout connaître à tuna parti pris tunafanya banaka impartialité mkadre tu mais tunafanya en tant que défenseur des droits de l'homme à tout lale et lor mbaki me biko Bukavu biko deja Bukavu biko mvila Bukavu mutepe
balikamata deja quelques mabunduki matepe zetu, tukwe calme tuatandre communiquer à gouvernement provincial tongale kisi bitendeka maujongo mi partager parce que niko na masu information ko très sûr nyem ko lalala muna namuka jwa muye jwa province or gouvernance maka tu trouver tous si la sécurité de la province. Alors du coup mina kwa kanetre na partager ka deux versions kama ba autorité ba fama ko sanda denoncer kama ba chef chef tofa tuta pour la femme à quoi tu t'as dénoncé. Bon, peut-être les gens qui ne comprennent pas le français, il y a les RFI qui est dans ce groupe, la ville de Bukavu est attaquée par les Maïmaï. Ils sont actuellement, il est 4h à Bukavu, ils ont commencé depuis 1h du matin au niveau de Mungu et puis Tepe et quelque part là, je vais doubler les noms, je vais citer encore. Donc du coup, la ville jusqu'à présent n'est pas sous contrôle des Maïmaï, mais ils sont dans la ville. Avec la source qui vient de recevoir maintenant, soit disant ils sont aussi à Kavumu, ouais. Mais moi je ne citais pas pour les Kavumu parce que je connais seulement 3 sites qui sont, ils ont récupéré quelques armes au niveau de l'industrie à TP, mais ils sont dans la ville, ils sont à Bukavu, Mungu, et quelque part là-bas. Donc la RFI, avec Sonio qui est avec nous ici dans ce groupe, même les députés qui nous suivent à Kinshasa, la vie de Bukavu n'est pas bonne actuellement. Moi, j'ai fait cette communication parce que je suis toujours les informations de notre province, si Kivu. Mais il n'y a pas encore de panique jusqu'à présent. Il y avait seulement les balles qui sifflaient depuis 1h du matin. Mais je demande seulement à la population de rester calme. Je vais communiquer avec le gouverneur. Il me confirme que le service de renseignement est en train de prendre toute une disposition. Et j'espère peut-être que tout ira bien. Merci beaucoup et bon courage. Mais restez à la maison. Les gens qui sont à Bukavu, restez d'abord dans la maison jusqu'à ce que le gouvernement provincial va donner un communiqué officiel. Restez dans vos maisons. Et si vous avez de la connexion Internet, évitez de partager des informations sans source. Mais les ennemis sont dans nos milieux. Et j'espère que peut-être l'armée congolaise va intervenir pour repousser ce genre de choses. Il cite les noms en Kiswahili pour dire qu'ils viennent de nous libérer. C'est ce qu'ils disent, qu'ils viennent de nous libérer. Mais il y avait une certaine négligence des autorités provinciales ici qui vous. Il y a les gens qui ont été arrêtés au niveau de l'ICB. Il y avait 8 personnes qui étaient arrêtées à Bukavu. Il y avait aussi 8 personnes qui étaient arrêtées à Kaziba. Et moi-même, j'avais fait ces alertes dans les groupes de WhatsApp, mais personne ne m'avait donné confiance. Aujourd'hui, la ville est telle comme elle est, mais j'espère que tout ira bien. Merci beaucoup. Je vais vous mettre au courant. Je ne peux pas plus dormir. Je vais vous informer de toute situation parce que je suis la situation au niveau de Bukavu jusqu'à présent. Merci beaucoup. C'est Lick, activiste des droits de l'homme de Congo handicapé. Préparé pour attaquer la ville depuis un temps, selon la police nationale congolaise que nous venons de contacter, ils ont commencé par la brasserie où ils ont désarmé les policiers et militaires. Ensuite, ils se sont rendus au camp TP. Nous sommes sur avenue industrielle où les militaires ont été aussi désarmés. À Nyamugo aussi, et les militaires ont été désarmés, indiquent certains officiers de la police. Ensuite, ils se sont rendus même à la 33e région militaire chez Baba Chingazi pour déloger les gens. Présentement, ils sont en route direction, ils étaient donc en route direction Nyawera, mais la police et les forces de sécurité ont intervenu, rapporte nos sources. Donc, un petit récap, la ville de Bukavu est sous les balles depuis 1h du matin. Des hommes en armes auraient investi la ville avec comme armes des SMG et AK et auraient le contrôle de plusieurs coins. Ces personnes qui se nommeraient Wazalendo auraient désarmé certains militaires au niveau des TP industriels. Des sources parlent des tentatives de libération de ces hommes arrêtés récemment à l'université officielle de Bukavu. D'autres pensent que ce sont des Maïmaï. Une autre spéculation suggérerait que c'est des militaires qui se révoltent. Il nous est donc, nous serons d'ample détail, c'est donc dans nos prochaines éditions.
balles et même des détonations à l'arme lourde ont été entendues dans différents coins de la ville de Bukavu depuis 1h du matin. C'est notamment sur avenue industrielle et vers la place de l'Indépendance dans la commune de Kadutu à Brasserie, dans la commune de Bagira et vers l'ISP Bukavu, avenue Sayo et Essence-Major Vangou dans la commune d'Ibanda. Cette situation a causé une panique au sein de la population jusqu'à ce que certaines personnes parlent d'une incursion de rebelles pour s'emparer de la ville de Bukavu. Contacté à ce sujet, les commandants de la 33e région militaire, le général de brigade Bob Kiloubi, parle d'une attaque d'un groupe des bandits dénommé CPC-64 qui a fait incursion dans la ville un peu après minuit. L'intention, précise-t-il, serait de libérer le pays et ont tenté de prendre des munitions vers la base militaire de forces armées de la République démocratique du Congo. Bob Kiloubi précise que la stratégie a été de le coincer dans la ville car il était pris dans d'échanger des tirs avec eux durant la nuit au risque de causer des dégâts collatéraux énormes. Il invite la population à rester calme et limiter le sortie ce matin. Le commandant de la 33e région militaire, Bob Kiloubi, est joint ce matin par notre confrère Étienne Moulindoua. Ils sont arrivés à plus moins de 40, qui étaient du côté Brasserie, vers Nyamugo, dans le quartier industriel. Oui, alors qui tirait et puis qui chantait pour dire qu'ils voulaient libérer le pays. En train aussi de tirer pour demander les munitions et tout ça. Ils ont cherché à prendre des munitions du côté CP, mais n'ont pas pu. Alors là, ils sont allés au niveau du 24. Ils voulaient aussi monter jusqu'au côté 10e région. Ils voulaient à tout prix libérer ceux qui étaient arrêtés à la police, qui sont les leurs. Alors dans ce mouvement CPC-64 là, nous avions préféré les contenir, hein, comme c'est dans les noirs aussi, pour éviter beaucoup de casses. Alors nous nous sommes préparés en conséquence depuis qu'on attendait, depuis qu'il y avait des rumeurs qui circulaient dans ce sens. Alors nous attendons juste qu'il y ait un peu de la lumière pour que nous les prenions maintenant en tenaille. Donc nous avons préféré les mettre pour que nous les prenions en sandwich. Quel comportement la population peut adopter, parce qu'on comprend qu'ils sont encore dans la ville. Quel comportement la population peut adopter pour l'instant? Et pour l'instant, le mieux serait de ne plus d'abord sortir. De ne plus d'abord sortir pour que nous arrivions à mettre de l'ordre et s'occuper d'eux. Parce que nous avions bloqué toutes les sorties. Alors nous sommes en train d'attendre un moment là pour que nous arrivions à mettre la main à ces groupes-là. Signalons qu'à leur passage, ces rebelles scandaient des chansons disant être venus pour libérer le pays vers l'ISP Bukavu et Major Vangou. Ils invitaient les étudiants et autres personnes à quitter leur maison pour se joindre à eux. Savoir s'il y a un lien avec le bandit arrêté récemment vers Karalé, le commandant région dit qu'il n'infirme ni ne confirme rien à ces sujets. À côté société civile, nous apprenons également que deux coups de balle ont été également entendus à Kavumu. Et ici à Bukavu, deux points de contrôle sont renforcés et la présence militaire aux alentours de la RTNC vers Nyawera et dans d'autres coins de la ville de Bukavu. Bandugu Bukavu tunaingililiwa Bukavu tunaingililiwa Kasereka, msemaji wa jeshi la serikali ya DRC jimboni Kivu Kusini, hapa akizungumza akiwa mjini Bukavu. Watu wenye kushikilia silaha kinyume na sheria wameshikilia mji wa Bukavu usiku wa manane leo kwa mka leo na ngome mbalimbali ya jeshi na polisi. Kwa sasa jeshi imejihami na imefukuza, na kwa sasa tunaendelea kuwatafuta nafasi, wanaendelea kujificha katika nafasi mbalimbali ya mji wa Bukavu. Lakini kwa sasa eneo ya mji yote inadhibitiwa na jeshi la taifa. Na pengine nini madai ya wapiganaji hawa waliokuja kushambulia mji huu wa Bukavu kule Kivu Kusini? Hao watu hatujajua nia yao ni gani, kwani tumeshika mmoja kati yao karibu 36 tumewashika mateka. Tunasubiri kuwauliza, tukiwasambisha hapo tutajua ni madai yao ni nini na nani wamewatuma na wamefanya hiyo kwa ajili ya nini. Hiyo tutajua wakati tuwasambisha. Na je, mmewatambua ni wapiganaji kutoka kundi gani, kwa kuwa eneo hilo lina makundi mengi ya wapiganaji waasi wenye silaha? Wao tunawaona ni majimaji, vijana ambao wamedanganywa na watu wenye kushikilia, wenye kuwa na nia mbaya kwa ajili ya nchi hii.
inaonekana wamewavutisha jamba, wamewadanganya, wamewavutisha pombe kalikali kusudi washambulie mji wa Bukavu, na kwa sasa hawakufaulu. Ni majimaji tu vijana ambao wamedanganywa. Unaposema ni vijana wamedanganywa kwamba wamepewa dawa za kulevya, watakuwa wamedanganywa na wanani? Unajua nchi hii inakuwa na watu wengi ambao wapendi maendeleo katika nchi hii, hawapendi usalama wa kaji. Ni wao wanakuwa wakidanganya vijana leo na kesho, kuchika silaha, kushambulia ndugu zao, kuua watu. Watu hao watajulikana wakati tutasambisha hao vijana hao. Na ni wapiganaji wangapi wameuawa upande wa hao unaowaita waasi, na upande wenu kama jeshi ni wanajeshi wangapi wenu wamepoteza maisha? Kwa ngambo hao waasi, hao sita wamefariki tayari, tumeua sita, watu wengine wameumizwa. Tumeshika 33 mateka, tumeshika silaha 14, na ngambo ya jeshi tumepoteza watu wawili, askari wawili na polisi moja. Kwa sasa hali inavyoendelea kushuhudiwa ni ya wasiwasi. Unafikiri hakuna mashambulizi mengine yanayoweza kutokea tena? Kwa sasa hali iko shwari katika mji wa Bukavu, watu wanaanza kufanya kazi zao vilivyo. Na itakayofuata ni kuendelea kutafuta hao vijana ambao wanaendelea kukimbia na kujificha kati ya raia. Na kwa hiyo tunaomba raia watusaidie, watunge mkono kusudi tuwashike hao wote ambao wanajaribu kuyumbisha usalama katika mji wa Bukavu. Jitayandaa kwa sasa na hawatajaribu tena na wazo. Meja Diedone Kasereka, asante sana. Asante, ni sauti yake Meja Diodene Kasereka, msemaji wa jeshi la serikali ya DRC jimboni Kivu. Ya binisha isha vile mkuu, mwisha sisa binaisha mkuu wangu. Hakuna tena mafuyo tena Bukavu, isha kusha hili. Madistrasu ya mapolitise ya Kamere pamoja na Guavije na watu yake jeli berasu ya Kamere. Tunalele mambo yote. Hawa nyarana viku mfarde seya vundu ya pata marame. Masa tunaya kile kitu. Isha vile. Vizier komisariat la polisi nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FARDC ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette nuit, le crépitement des balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants captifs qui sont devant nous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des FARDC et de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provinciale. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Je l'ai dit dans mon communiqué du matin, j'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, la police, l'armée et les services de sécurité, pour dénoncer ces malfaiteurs, leurs complices et leurs commanditaires. Et surtout, dans le calme, de vaquer à leurs occupations habituelles. Bukavu n'est pas tombé, nous sommes à Bukavu ici, je vous parle. Nous avons connu une situation malheureuse, mais je tiens à rassurer notre peuple et notre population. Nous tenons à souligner que le président de la République... Qui
sont arrivés à plus ou moins de 40, qui étaient du côté Basseri, vers Nyamugo, dans le quartier industriel. Oui, alors qui tiraient et puis qui chantaient pour dire qu'ils voulaient libérer le pays, en train aussi de tirer pour demander les munitions et tout ça. Ils ont cherché à prendre des munitions, mais n'ont pas pu. Alors là, ils sont allés au niveau du 24. Ils voulaient aussi monter jusqu'au côté 10e région. Ils voulaient à tout prix libérer ceux qui étaient arrêtés à la police, qui sont les leurs. Alors dans ce mouvement CPC 64 là, nous avions préféré les contenir, hein, comme c'est dans les noirs aussi, pour éviter beaucoup de casses. Alors nous nous sommes préparés en conséquence depuis qu'on attendait, depuis qu'il y avait des rumeurs qui circulaient dans ce sens. Alors nous attendons juste qu'il y ait un peu de la lumière pour que nous les prenions maintenant en tenaille. Donc nous avons préféré les mettre pour que nous les prenions en sandwich. Quel comportement la population peut adopter? Parce qu'on voit qu'ils sont encore dans la ville. Quel comportement la population peut adopter pour l'instant? Et pour l'instant, le mieux serait de ne plus d'abord sortir. De ne plus d'abord sortir pour que nous arrivions à mettre de l'ordre et s'occuper d'eux. Parce que nous avions bloqué toutes les sorties. Alors nous sommes en train d'attendre un moment là pour que nous arrivions à mettre la main à ces groupes-là. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moringa Nayo, Luka Kopeto Lama. Hallelujah.